Taeyang a été la cible de commentaires négatifs récemment. En fait, une prétendue vidéo du membre de NCT en train de fumer au Japon a fait surface en ligne. Et du coup, les netizens ont débattu sur son comportement. Fumer dans la rue au Japon est généralement illégal et passible d'une amende, à moins que la zone ne soit désignée pour les fumeurs. Du coup, le débat en ligne portait sur la question de savoir si l'idol fumait dans une zone réservée aux fumeurs ou s'il était dans l'illégalité. Sur les forums, on pouvait lire des réactions comme « Si c'est illégal, il devrait en payer les conséquences. Pourquoi est-ce que c'est lui qui cause toujours des ennuis à NCT ?» Mais d'un autre côté, les netizens ont défendu Taeyang en affirmant qu'à Tokyo, il n'y a pas de loi qui stipule qu'il est interdit de fumer. L'idol ne serait pas en train de faire quelque chose d'illégal. Pareillement, on pouvait lire en ligne « Je suis allé au Japon récemment et les gens fumaient partout dans les rues. Quand je suis allé au Japon en 2018, les gens pouvaient fumer à l'intérieur des bars. » Et finalement, certains critiquent les Sasaeng qui suivent les idols et les films dans leurs moments les plus privés. Les netizens déplorent le fait que les artistes n'ont plus aucune intimité et qu'ils ne peuvent même plus fumer une cigarette tranquillement sans qu'une polémique soit créée. L'autre polémique survenue cette semaine concerne Fantagio et la manière dont le label gère le mémorial de Moonbin. L'agence Astro a annoncé la fermeture de l'espace commémoratif pour Moonbin, qui malheureusement nous a quittés en avril dernier. La fermeture fait apparemment suite, je cite, à de fausses informations diffusées sans discernement sur les réseaux sociaux. Le 3 décembre, Fantagio a publié un message sur le fan café officiel d'Astro. Dans le message, on pouvait lire « Actuellement, de fausses informations concernant le Moonspace sont diffusées sans discernement sur les réseaux sociaux et nous publions cet avis pour rectifier les faits. Tout d'abord, Fantagio n'a conclu aucun accord, pacte ou contrat avec Sununsa et aucun intérêt financier n'est en jeu. » Concernant le déplacement du mémorial, Fantagio affirme que cela a été fait dans le seul but d'assurer la sécurité des visiteurs et aussi d'avoir un mémorial permanent. En fait, pour ceux n'étant pas au courant, le label avait ouvert un mémorial pour le regretter Moonbin. Et par la suite, Fantagio l'a déplacé. Et depuis, l'agence d'Astro fait face à énormément de critiques. Beaucoup d'internautes ont affirmé que le label profitait financièrement de la situation, parce que le propriétaire du temple fait partie du board de l'agence, et aussi parce que sur place, les différents articles vendus, comme les bougies pour honorer Moonbin, ont doublé de prix depuis l'installation du mémorial. C'est pourquoi sur le fan café, Fantagio insiste qu'ils n'ont aucun intérêt financier avec Sununsa. Et afin de calmer toutes les fausses rumeurs, le label annonça également la fermeture imminente du mémorial pour le membre d'Astro. Une décision qui a vraiment attristé beaucoup de fans, puisque maintenant, ces derniers n'ont aucun endroit où se rendre pour se recueillir. Mais il faut aussi noter que le label affichait également des effets personnels de l'artiste au mémorial. Et du coup, beaucoup ont critiqué le fait que le mémorial soit utilisé comme une attraction touristique et ne rendait pas hommage au regretté Moonbin. En tout cas, c'est le message que véhicule la lettre ouverte sur les réseaux qui critiquait Fantagio en premier lieu. Une situation bien compliquée à tous les niveaux. Les amis, petit rappel pour vous dire que cette vidéo fait partie du concours K-Wall. Pour ceux n'étant pas au courant, le K-Wall c'est un event qu'on tient tous les ans en fin d'année. Cette année, le K-Wall, c'est une vidéo par jour du 1er décembre jusqu'au 24. On traite plusieurs sujets intéressants et pour vous remercier de votre soutien, on tire au sort 3 gagnants à la fin du K-Wall. Pour faire partie des 3 gagnants et gagner un light stick de votre choix, il vous suffit d'être abonné à la chaîne, de liker et de laisser un commentaire sur toutes les vidéos du K-Wall. Si vous ne savez pas quoi commenter, laissez simplement un emoji pastèque. On a créé une playlist des vidéos K-Wall pour ceux que ça intéresse. Bon, n'oubliez pas de participer et on passe à la suite. Ce week-end ont eu lieu les Melon Music Awards à Incheon. La cérémonie a été hyper appréciée par les participants, et d'ailleurs on y était aussi. On vous a partagé ça sur Insta, donc n'hésitez pas à aller nous follow si vous êtes intéressé par ce genre de contenu. En tout cas, même si les performances ont été largement appréciées, c'est le moment sur le tapis rouge qui a provoqué la critique des internautes. Depuis toujours, les stylistes d'IVE font face à de nombreuses accusations de favoritisme. Selon certains netizens, Jang Wonyoung est vraiment trop mise en avant comparé aux autres membres du groupe, en donnant même l'impression parfois qu'elle serait une soliste accompagnée de backdancers. Et au MMA de cette année, c'est la même impression que certains fans ont eu. Si toutes les filles étaient magnifiques avec leur tenue, certains ont trouvé que le style n'était pas à la hauteur. Déjà, chaque membre portait une couleur différente, ce qui ne donne pas cette impression d'appartenance à un seul et unique groupe. Mais certains ont trouvé que la robe de Wonyoung ressortait trop par rapport aux autres membres, comme si encore une fois, Wonyoung était une soliste accompagnée par des danseuses. Mais parmi la vague de commentaires négatifs, certains dives ont défendu la styliste, affirmant que les tenues, même si elles ne sont pas coordonnées, sont super belles. Et Wonyoung ne ressort pas tant que ça. Ce serait une critique non fondée que de dire qu'elle a été plus mise en avant avec sa robe.
Bon allez, on passe aux choses positives qui sont arrivées dans l'industrie cette semaine. Le 2 novembre, la chaîne télé Showtime a dévoilé le documentaire très attendu Thriller 40, un hommage au 40e anniversaire de l'album emblématique de Michael Jackson, Thriller. Le documentaire se penche sur l'influence durable de Michael Jackson dans l'industrie, et à un moment donné, le documentaire mentionne l'impact de Michael sur le genre K-pop au sens large. Le documentaire met l'accent sur la façon dont les chorégraphies et les techniques de mise en scène uniques de Michael Jackson ont été intégrées aux performances K-pop. Et BTS est présenté comme un excellent exemple de l'héritage de Jackson dans le domaine de la musique. Un des intervenants affirme même que chaque mouvement que les garçons font est celui de Michael Jackson. Une mention qui a ravi les fans, qui affirme que c'est à la fois un bel hommage pour le roi de la pop, mais aussi pour BTS, que d'être mentionné comme l'héritier de Michael Jackson. Une autre mention qui a surpris et ravi de nombreux internautes est celle de la Croix-Rouge coréenne. Ce 4 décembre, le président Kim Chol-soo a annoncé que Kina avait fait don de 10 millions de won pour ce les jeunes adultes non couverts par l'accompagnement social. Autrement dit, les jeunes adultes sont responsables légaux. Le don a été fait après que Kina ait reçu son premier règlement de redevance musicale. Après avoir réfléchi à une manière significative de l'utiliser, la membre de 5050 a décidé de participer au soutien de ces jeunes adultes après avoir pris connaissance des activités de la Croix-Rouge. Conformément à la demande de Kina, la Croix-Rouge coréenne prévoit d'utiliser le don pour des programmes qui renforcent les capacités d'autonomie de ces jeunes adultes. La Croix-Rouge propose des programmes de stabilité psychologique et de dons matériels. Questionné sur son don, Kina a affirmé « Je souhaite que les jeunes gens confrontés à un monde difficile ne renoncent jamais à leurs rêves et continuent à se lancer des défis. » L'idole a été félicité par les fans pour son geste hyper bienveillant. L'autre idole qui a surpris les netizens cette semaine est Wonbin. Lors des MAMA qui se sont tenus ce week-end, Rise a performé une version rock de sa première chanson « Get a Guitar ». Et à l'occasion de l'ouverture de la performance, Wonbin a joué de la guitare électrique en live. La prestation a surpris tous les fans et beaucoup ont affirmé qu'il aurait pu faire une carrière dans la musique. Malheureusement, les MMA de cette année n'ont pas été positives à 100%. De nombreux débats ont eu lieu auprès des internautes. En fait, beaucoup de netizens ont été inquiétés concernant la condition de certaines idoles. Lors de l'événement, Gyuvin de Zero Base One est apparu sur le tapis rouge avec un cache-œil. Les cache-œil sont souvent des accessoires courants pour les vidéos ou les performances, mais c'est vraiment rare de voir quelqu'un en porter un lors d'un événement officiel. Et en plus de ça, on pouvait voir que l'œil gauche de Gyuvin était également rouge et un peu gonflé. Auparavant, le membre avait déjà affirmé sur Bubble qu'il pensait avoir une conjonctivite. Quelques jours plus tard, il a été aperçu à l'aéroport portant des lunettes de soleil, et encore quelques temps après, ses deux yeux sont devenus rouges et injectés de sang, ce qui laissait penser que sa situation s'était aggravée. Du coup, les Heroes ont été préoccupés de le voir performer dans ces conditions, en voyant que la situation ne s'est pas beaucoup améliorée pour lui. De l'autre côté, Mark également a préoccupé les fans avec son état. En fait, le membre de NCT avait déjà annoncé qu'il avait déchiré un ligament à cause d'un entraînement, mais les NCTzens ont quand même été surpris de voir comment il boitait à cause de sa blessure. Même les médias locaux ont affirmé avoir été inquiets en voyant l'idole. Les journalistes ont félicité son professionnalisme, mais espèrent qu'il se remettra vite de sa blessure. Par contre, c'est la SM qui n'a pas fait preuve de professionnalisme pour l'événement. Plusieurs artistes du label ont participé à l'event comme aespa, NCT Dream, Rise et SHINee. Après l'événement, une photo des membres du boys band a été postée en ligne et à première vue, il s'agit d'une photo normale. Cependant, certains fans ont remarqué que la photo a été retouchée mais de manière assez maladroite. On peut voir la peau de certaines idoles anormalement lisse et aussi floue. Et en plus de ça, il semble que les seuls membres sur la photo qui ont été retouchés soient ceux de NCT Dream. Les membres de Rise et SHINee ne semblent pas avoir été retouché, ou en tout cas beaucoup moins. Les netizens qui ont remarqué ça se sont dit choqués par ce choix de l'ASM. Déjà, photoshopper les idoles avec une si mauvaise qualité est inacceptable, mais en plus le label a décidé de le faire que sur une partie de ses artistes, et non sur l'entièreté des idoles. D'ailleurs, beaucoup de netizens disent qu'au final, les membres retouchés ressortent plus mal que ceux qui n'ont pas été édités, ce qui serait encore pire pour le label. On ne sait pas vraiment pourquoi l'ASM a pris cette décision, et le label ne s'est toujours pas prononcé là-dessus. À côté de ces accusations, de nombreux netizens se questionnent sur l'implication, et même la triche, selon certains, de SM dans les Melon Music Awards. Plusieurs grands prix ont été attribués cette année au MMA, dont celui de disque de l'année. Cependant, lorsque les critères d'attribution du prix de disque de l'année ont été révélés, les fans se sont demandé si le prix était bel et bien légitime. Selon le site officiel des Melon Music Awards, 3 des 4 prix des SANG sont basés sur plusieurs critères. L'album de l'année, l'artiste de l'année et la chanson de l'année sont 3 grands prix qui sont déterminés à
60% par les ventes, à 20% par les évaluations du jury et à 20% par les votes du public. Et le quatrième des cinq est lui le seul à être entièrement déterminé à 100% par les votes des jurys. L'album de l'année a été remporté par Hive avec l'album Hive Hive, celui de l'artiste de l'année par New Jeans et celui de la meilleure chanson par New Jeans encore avec Ditto. Cependant, le D5 du meilleur disque de l'année a lui été attribué à NCT Dream. Du coup, beaucoup de netizens ont commencé à se poser des questions concernant ce prix, et si NCT le méritait vraiment. Beaucoup d'internautes affirment que la victoire de NCT dans un des D5 ferait partie d'un accord commercial entre Melon et SM Entertainment. Au vu des critères de victoire et le fait que NCT n'ait pas été vraiment influent cette année, selon certains netizens, il serait clair que SM aurait triché pour être sûr d'avoir un artiste de leur label chez les vainqueurs. D'autres ont affirmé que le prix disque de l'année n'avait rien à faire parmi les grands prix, surtout si ce dernier se base entièrement sur un avis subjectif. En ligne, on pouvait lire « Qu'est-ce que NCT Dream a accompli, comparé à New Jeans et Hive, pour gagner un D5 ?» Pendant ce temps, BTS a été snobé un nombre incalculable de fois, et t'as la SM qui transforme les remises de prix en fêtes privées. C'est toujours NCT et un D5 sans queue ni tête. Je me demande si les membres se sentent gênés de l'avoir accepté. En fait, pour beaucoup de netizens, le D5 a été inventé exprès pour faire gagner quelque chose à NCT, étant donné qu'il était impossible qu'il gagne un vrai D5 au vu de la compétition en face. Les netizens affirment que ce prix aurait dû aller à quelqu'un d'autre de plus méritant, mais qu'il était prévisible que la SM vole encore un prix cette année. Pareillement, on pouvait lire des commentaires comme « Ça n'a aucun sens, je n'arrive pas à croire que NCT Dream ait gagné. SM a dû dépenser une tonne d'argent pour corrompre cette victoire. Je parie que les membres eux-mêmes ne sont pas sûrs de savoir pour quel disque ils ont été récompensés. » De l'autre côté, les NCTzen affirment que si le groupe a remporté le prix, c'est simplement parce qu'il a été jugé méritant par le jury qui a une expérience précise dans l'industrie et non à cause d'une magouille. Et vous, vous en pensez quoi? NCT mérite-t-il cette victoire? Bon les amis, on se retrouve demain pour une autre vidéo K-Wall. En attendant, lâchez votre like, abonnez-vous et activez la cloche. Allez, on se dit à demain et bye bye.